Et hop, tout le monde, Sébastien Végé 83 960 ans. On se retrouve sur MotoGP 15. Excusez-moi pour la petite erreur qui s'est passée sur YouTube. Soi-disant que j'avais, enfin, pas soi-disant, mais il y a la deuxième partie qui s'est mise et la deuxième partie qui s'est, enfin, la première partie qui s'est pas mise sur YouTube. Donc, je fais la première partie. Donc, on va en mode calendrier, parce que dans la deuxième partie, je vous ai montré ce circuit-là quand il pleuvait et j'ai vraiment bien fait quoi. Donc, on va commencer le deuxième circuit pour la première partie. Et excusez-moi si s'il y a eu ce petit bug-là, ça arrive. Moi, c'est la première fois que ça m'a arrivé. Ça m'est arrivé. Voilà, allez, démarrer les courses, lancer, on n'a pas besoin de faire option, pilotage, ça, j'ai tout fait. Donc, longueur de la course, 15%, c'est déjà pas mal. Donc, ce soir, je pense qu'il y aura, puisque la mise à jour de The Crawl Online, The Holder Online, elle dure 40 heures, donc ça fait long. Donc on va plutôt faire du Batman ce soir, du Batman et ou d'autres jeux, enfin ça à voir. Du Batman ou du Call of ou du BF ou un peu de tout quoi. Bienvenue à tous. Nous sommes sur le circuit Ricardo Tormo à Valence, où se déroule cette année la dernière manche du championnat du monde de Moto3. Les prévisions météo sont très rassurantes, nous aurons un temps ensoleillé pendant toute la durée de la course. Alors, let's go, on va commencer. Jouer un circuit. Alors ça je sais, donc on a super bien progressé, je sais pas si vous avez remarqué dans la deuxième partie, hein. Voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, donc attendez une petite seconde, je vais mettre sur pause. Re tout le monde, excusez-moi pour le petit imprévu. Donc là, on fait la course. Je vais vérifier juste un truc. Hop. Hop là, c'est bon. Alors, premier tour. On voit déjà que je suis 24e encore, comme d'habitude. J'étais 15e ou 14e dans la deuxième partie. Là, on va essayer de faire mieux. Par contre, là, ça va être dur de les rattraper. Que je suis en train de prendre un petit peu du rattrapage, pardon. Voilà, bon, je les ai bien rattrapés quand même. Par contre, en pointe de vitesse, ils me larguent facilement. Non, là, il faut que je règle le moteur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oh là, putain, la moto elle a glissé.
pas si vous l'avez remarqué, mais elle a glissé. Donc premier tour sans avoir d'accident, sans rien, et toujours 24e. Bon, j'espère qu'on va dépasser, enfin qu'on va changer de position, hein. On va pas rester position 24, quoi. Ça serait débile, vu qu'on a déjà progressé la première course. Ah, la première course, pardon. Donc on va essayer de récupérer un peu plus d'avance qu'on a pris à la première course de ce championnat, de cette carrière. En fait, il faut réellement que je modifie le moteur. Parce que là, c'est la lèche. Peut-être une modification du moteur et modif des vitesses. Des vitesses, on va mettre, on verra. Je vais la régler tout à l'heure. Donc ça va, je suis 22e, on va pouvoir faire un petit retour. Voilà, on fait ici. Deuxième, ça va, c'est bien. Je suis au troisième tour, mais c'est bien. Je suis parti mal et je finis mal. Bon, après ça va, c'est rien, c'est qu'une course. C'est putain, bah tiens, j'ai fait tomber. Bien fait pour sa gueule. Par contre, piste dégagée, ça va. Par contre, il n'y a pas eu trop de dégâts, je crois. Pneu et ma jante, ils ont dû un petit peu souffrir. Donc après, on va enlever le pilotage, enfin le mode de freinage tout seul. Parce que là, ça freine tout seul. Enfin, j'appuie quand même sur la gâchette, hein, vu que je suis habitué, mais on va l'enlever parce que ça me fait chier et ça m'enlève de la patate. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à les dépasser. Donc on va l'enlever. J'aurai peut-être une dernière vidéo sur ce jeu ce soir avant de jouer sur du Batman ou sur du BF ou... au Call of, ou c'est à voir. Donc voilà, en même temps je ferai quelques petites modifs sur ce moto GP15, sur cette petite bécane. Voilà, bon ben c'est la fin de la course. Donc je suis 22e. Oula, direct là l'accident. Incroyable. La cérémonie au parc fermé, la direction de la course. Alors on continue. Bientôt niveau 2. On continue. Ça va, nickel. Donc on va essayer de le faire maintenant. Bon, c'est pas grave, de toute façon on va s'améliorer ce soir. Peut-être, enfin je sais pas trop en fait ce que je vais faire ce soir. C'est plutôt tentable de faire du MotoGP. Bon, continuer à faire du MotoGP et du Batman. Et après on verra les autres jeux. Enfin, c'est à voir. Comme vous pouvez le voir, vous avez des offres de plusieurs sponsors. À gauche de l'écran tactile, vous trouverez... Alors ça, je sais. Alors le sponsor, on va prendre Moto 3. Européenne. Voilà.
Alors, sponsor. Récompense par le sponsor. Message. Ça, c'est fait. Donc, écurie privée. Écurie privée. Logo. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme logo? Non. Pas le logo 5. Voilà, ce logo, ma bécane KTM. Ça change quand même. Une KTM. Ah, je n'ai pas assez d'argent. Vous n'avez pas assez de GP crédit pour acheter cette moto. Donc on va la modifier. Ok, d'accord, on peut juste modifier. Oh, fait chier, on peut juste modifier les couleurs et tout, mais bon, après c'est pas grave. Équipement, non, moi je veux acheter la KTM, donc j'achète rien. Bon, alors sur ce, vous voyez qu'on peut presque rien améliorer, mais après ça reste un très bon jeu, donc on va continuer d'avancer pour que je puisse m'acheter cette moto KTM et qui a performance presque au maximum, donc voilà, donc ça m'arrangerait de l'acheter. Donc je vous dis sur ce, peace out, à tout à l'heure.